Oui, et c'est ce que nous comptons faire pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois, de façon à ce que notre action soit davantage lisible par rapport aux citoyens et par rapport aux électeurs aussi. Et comment on va le faire? On va le faire en nous positionnant chaque fois que c'est nécessaire sur un certain nombre de... Et comme nous sommes dans l'opposition, il faut là aussi essayer de démontrer les lacunes qui existent aujourd'hui au niveau de la gestion gouvernementale actuelle. Sans parti pris, sans démagogie, sans populisme, avec un certain réalisme sûr pour aider, jouer notre rôle d'opposition constructive. Pragmatique, avec des propositions, avec des. Et dénoncer un peu aussi les faiblesses qui existent aujourd'hui au niveau de la gestion gouvernementale. C'est pas que il y a du positif et du négatif, il y a quelques actions que personne ne peut renier aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui, de dispositions qu'ils ont prises pour améliorer les bourses des étudiants. C'est une mesure dont les étudiants ont besoin, mais c'est une mesure qui concerne une petite frange de la population. Elle concerne 20 000, 25 000 étudiants. Quand on parle aujourd'hui d'une mesure importante qui est aujourd'hui présentée comme une mesure sociale importante, aider et avoir donné une prime ou là, une subvention aux veuves, c'est aussi une mesure concrète, mais qui concerne 17 000 veuves. C'est des petites mesures limitées qui ne sont pas, qui ne répondent pas aux attentes de l'ensemble des Marocains. Ne vois pas de nouveau modèle de croissance. Où vous voyez un nouveau modèle de croissance? On parle du fait qu'on a fait on a éliminé la caisse de compensation. On parle de réforme de la caisse de compensation, alors qu'il n'y a pas de réforme de caisse de compensation. La caisse de compensation est une caisse qui était destinée à subventionner un certain nombre de produits de consommation essence de première importance. Cette caisse de compensation a une histoire. Au début des années 80-90, la caisse de compensation, son budget était très faible. Le budget de la caisse de compensation dans les années 80 était autour de 3 milliards, 4 milliards de dirhams. Et on a laissé les choses parfois déraper pour atteindre en 2010-2011 une somme colossale, faite de la caisse de compensation, avec 60 milliards de dirhams. Oui, les gouvernements successifs ont eu leur part de responsabilité dans le dérapage de la caisse de compensation. Et il y avait des produits qui, à la base, n'étaient pas compensés. Dans les années 80, les produits pétroliers n'étaient pas compensés, n'étaient pas subventionnés. Mais il y avait un mécanisme d'indexation qui permettait de ne pas être obligé de compenser les produits pétroliers. Aujourd'hui, on est revenu à l'indexation qui n'est pas une nouveauté dans notre système parce que l'indexation a été appliquée avant le gouvernement Youssefi, elle a été appliquée par le gouvernement Jeton et ça nous immunisait contre les fluctuations des prix pétroliers. La situation de la ville aujourd'hui, en 2015, n'est pas la situation de la ville
en 2003, quand j'ai pris les responsabilités de la ville. À l'époque, tout était à faire. Il y avait l'immense défi qui consistait à réunifier une ville qui était auparavant éclatée. Donc il n'y avait pas l'unité de la ville. Donc les grands chantiers par lesquels on a démarré le premier mandat, c'était cette réunification de la ville et c'était la construction d'une stratégie de développement cohérente pour le développement de la ville. Chose que nous avons, sur laquelle on a travaillé pendant les deux mandats successifs. En 2004, nous n'avons pas eu la chance non plus de trouver un programme de développement étudié, identifié, financé, comme ce que nous avons laissé en 2004. Donc aujourd'hui, il y a une vision claire, il y a une stratégie qui a été élaborée et il y a des projets concrets qui sont aujourd'hui dans le pipe. Et il y a, en plus de ça, des outils de développement et de réalisation de ces investissements qui sont là, qui n'existaient pas non plus en 2004. Les différents outils, ce sont les sociétés de développement local qui portent aujourd'hui l'essentiel des grands projets de développement de la ville de Kazan. Donc il y a toutes les conditions favorables aujourd'hui pour que le développement de Casablanca continue selon la même stratégie qui a été élaborée.